Et salut à tous, ciao tout le monde, mes chers disciples, gloire à vous. C'est le maître des mots pour le découverte de ces lettres ainsi que le déploiement de ces degrés en invité JP. Oui, bonsoir à tous. Voilà. On va d'abord redire ces grilles en observant plutôt la main quand on maudit les grilles. Ah, beau croisé. Oui, maître, mais maintenant, ce qu'on aimerait tous, c'est le récital. Le récital des degrés de ce maximo croisé, évidemment. On est. Évidemment. Et comme le dit un certain disciple, en effet. En effet. L'hôte de cette trèfle. En effet, de cet état Henri de chez ce fil, chaque été, tu en, j'en serai jamais un écrou de l'annexion, j'en suis inné de ce brelan, j'en serai fameux, mon éminence. Cet air est glacial. Le test de sa beauté, oh, fier comme des Gaulois. Marteau de temps. La tige de cet épi, j'en détiens le code de cet égo. Un loisir de ces coques et restant comme des judoka. Pourquoi en restes-tu évase dans ce gars-là que tu avais le jeu. J'en détiens la lueur de ses ouvrages. La lueur de ses ouvrages. Je vous en ai fait le récital ainsi que la définition de la lueur de ses ouvrages. Okay. Maintenant, on va attaquer la découverte de ses lettres ainsi que le déploiement de ses lettres. Et en toute chose, on va se faire un bon barreau de chaise. Qu'en pensez-vous? Exactement. Attaquons la découverte de ses lettres. Sans commentaire. Bon, on l'a repéré dans le judoka. C'est le seul, hein? Ouais, c'est le seul, heureusement. La lettre qui suit le K dans l'alphabet, le L. Le L de ce trèfle. J'en détiens le glacial. Ah, c'est glacial, comme cette main. Glacial, comme cette main. Si je valide le second L aussi. Ouais, ça, oui, ça serait bien. Mon cher disciple. C'en est un brelan. Jimmy, expert, en connaît la définition. Les WSOP, Patrick Bruel. J'avais des perdasses, mais il avait un brelan droit. J'ai tout misé, j'ai fait tapis, mais j'ai perdu. Il n'habite pas, pas d'ailleurs dans le Cantal, lui, je crois. Ça en serait un loisir, je ne sais point, cher disciple. Qu'en pensez-vous de ce gars-là? Et n'oublie pas que le Gaulois aussi. Eh oui, on nous en serons toujours fiers comme des on Gaulois. Tient la gueule. Ave César. Je pense qu'on en a fait le tour. Oui, je pense aussi. Parfait, cher disciple. Maudit soit ce X. Pourquoi détenir l'annexion? Oui, ce X. Oui. C'était le seul. Le F de fumier. Ou pourquoi pas de cette trèfle? Le L a été malvenu. N'oublie pas que tu as deux F. On en a de l'effet quand on voit ce double F. Oui, 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 mon éminence. On va passer à la grille inférieure, allez, chers disciples. On peut pas laisser la grille inférieure plus longtemps à la vie de nos disciples, avec ce M de merde. Mon éminence. Voilà, mon éminence. Oui. Ce sont des grands mots, ça. T'as brelan. J'en serai fan. Brelan, c'est avec un N. Oui, oui, excuse-moi. Oui, oui, je me suis. Il y en a quasiment pas dans la grille j'en inférieure. J'en suis brelan comme ce volcan. J'en suis fier comme un âtre. Et mon invité en est brûlant comme ces volcans. Et reprenons. Nous découvrons après la définition du volcan, du fameux volcan.
Mon invité en connaît la définition. Il nous en a fait partager avec le maître des mots, bien sûr. Exactement. Mais là, on s'occupe plutôt des essais. Alors, t'as dans les crocs aussi, tout en haut. Ah oui, mon éminence. Dans les crocs. Le code de la route. Qui c'est qui n'a pas eu son code ici? Moi, je l'ai eu en première fois. Ah, j'ai eu du premier coup aussi, rassurez-vous. Il n'y avait que de C en grille inférieure. Allez, on va passer au chest. Ça serait bien. Z de Zizi, quoi. Oh non. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, tu lâches dans chez. Le Z de. Ouais. Enfin, bref, quoi. Oui, continuons. Je préfère passer à autre chose. Ah putain, le cul maintenant. Qu'est-ce que c'est? Après le Z, on a le cul. Non, tu es fier comme un coq. Comme ces coqs. C'est pas. Ben, c'est pas Jojo, hein. Je le reconnais, cher invité, ce n'est pas Jojo. Bon, toi. Ouh, tu peux être encore gagnant. Observez la lettre maîtresse qui est enfin arrivée. Si vous voyez le maître, comment il s'extase. Oui. Les pangolins même partiraient. Il en détient le pangolin. Il a goûté au restaurant thaïlandais. Mon éminence. Tu as dans le maître aussi. J'en te ferai de l'effet. Est-ce que le thé de ta gueule est tombé? Non. Enfin, j'en ferai un état, mon hôte. Lettre oubliée. Et n'oublie pas le trèfle aussi, le E de trèfle, E de trèfle. Trèfle. Bien sûr. Passons en grille inférieure. L'épi de cet égo, car ça en est tout encore. Le tige, le secouage, j'en ai déjà la beauté. En même temps que je vous fais le déploiement de ces grilles, je vous en fais aussi un récital. Ça, la lueur aussi, l'ouvrage aussi. Alors, on finira. Vase aussi. La lueur de ce jeu. Dans ces ouvrages, J'en suis une lueur de ces ouvrages. Je n'oublie jamais, cher disciple. Voilà. Et restons à la maison. Pas pour longtemps. Oui, on a encore une dernière petite semaine à tenir. Ne vous inquiétez pas, ça va vite passer. Le J de j'en ai marre. Ouais. Je l'ai vu quelque part. En plus, observez-moi ces deux putains de J de merde qui sont très très mal placés. Exactement. Et qu'est-ce que ça veut dire? Le G de Gogol. Ouais, moi, c'est le nom gaulois déjà. Bon, déjà, on l'a dans la glaciale. En grille supérieure. Ouais, c'est le nom gaulois. Les Gaulois. Et tu l'as dans l'ego aussi. Dans l'ego, oui, bien vu, cher invité. Et tu l'as dans Gala aussi. Gala c'est aussi. Ah, oui, de ce voilà. Gala. En connais-tu la saveur? Le S de sapeur lipopète. Observez bien quelque chose. Pourtant, le S est une lettre courante dans la langue. Même Bernard Pivot, maître Capello, on connaît les définitions qu'il y a beaucoup de S dans la langue. Mais dans ces grilles de mots croisés, qu'en reste-t-il? C'est coq. Ouais, non. Ah, je vous en ferai un loisir. Dans. Le test de ces couloirs, j'en détiens les ouvrages. Vase, oui. Oui, j'en ai vase. Regardez, observez-moi comment j'en ai vase. Méfie-toi si tu t'en es vase de ces vases. J'en suis encore évasé. Mais je te dis, restant, t'as oublié le S. Je le valide, observez, cher disciple. Oh, ma. Punaise. Finalement, on était dans quoi, alors? On était dans les S. Ça va les popettes. Exactement. Le P de putain de merde. Alors, où se cache-t-il, celui-ci? Il est pas dans les pieds, oui. J'espère que ce n'est pas tout. Je ne sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, c'était tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Le D de démerde-toi. Alors, le dé de démerde-toi, déjà ça veut tout dire parce que. Ouais, exactement. Oui. On en détient le code. Alors, on peut observer qu'un O nous fera automatiquement gagner. Fort comme des judokas. Ouais, t'as compris quoi. Exactement. Ouais, bon, croisé. Enfin. C'est là dans tarif. Alors. C'est quoi tes tarifs? J'en suis inestimable, cher disciple. Dans cette annexion. Ah, pas en faire tout un état dans cette annexion, oui. J'en détiens le brelan de l'annexe. De quoi de l'annexe? Quelle merde. Bon, quand on en connaît tous les définitions de ces mots croisés, je vais vous en faire un gars.
Et l'ouvrage aussi, punaise. Et, oui. Et la beauté. J'en détiens la beauté de ces deux criers de faux croisés. Nous en sommes fiers comme des Gaulois. Ouais. Observez bien, oh cher disciple. Oh cher disciple. Oh masque. Oh masque. Le haine de Nanner. Ah, mon éminence. Annexe. Mon éminence. Annexion. J'en suis inné de cette annexion. Toujours en détenir les brelans. Observez-moi ces criers de mots croisés. Je pense qu'on en a terminé avec les haines. Oh, punaise. Oui, je pense aussi. Mais d'un coup, il se calme. D'un coup, il est... Si vous saviez comme le maître, il est... mots croisés. Je crois que je n'oublierai pas de citer ce maître. C'est plus intéressant qu'une dictée de Bernard Pivot. Je pense. Ou les chiffres des lettres. J'en détiens les lettres. Ou les citations de Maître Capello. Tous les N ont été validés, me semble. Ouais, je pense. On va s'occuper de cette console qui est tout au bout. Oh. Le B de bâtard. L'air. C'est tout? Qu'est-ce que ça veut dire? Dans Brelan, tu l'as fait déjà, oui? Je l'ai déjà fait. Mais ici, de toute la beauté. De la beauté, oui. Mal placé, voilà, il est mal placé, oui. Et nous terminons avec un U. Le U de Robert. Est-ce que ça peut emmener cela dans l'euro? Alors, l'euro, oui. Le voici. L'euro. Tu l'as d'enfant, écorce, écrou. L'écrou, l'écorce. Ouais, bon, oui, mais tu sais, je vois mal. Le Gaulois. De ce jeu, je vous en fais un ouvrage. Ah, je vous en fais un ouvrage. Car j'en détiens la lueur. Je pense qu'on en a terminé. On va récupérer un peu tout ça là, parce que ça m'a l'air un peu étrigant, là, ces grilles de mots croisés. Qu'en pensez-vous, cher disciple? Ouais, il faut bien regarder. Donc. Alors. Et t'as oublié. Attends, on a eu le U dans beauté. Tu l'as oublié aussi, le U de beauté. Mouvement, gloire et beauté. Ça, c'est pour les débiles, ça. Eh bien vu, bien. Bon discernement, cher disciple. Alors. Qu'est-ce que ça va nous dire, tout ça? Étonnamment que le H de ce duel de Dracar n'est pas tombé. Non. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Le V de Vatefer n'est pas tombé non plus. Non. Voilà. Donc je pense qu'on termine cette grille de mots croisés, donc nous avons deux mots, le strict minimum, c'est bien. Eh oui. Le galet de ce jeu. Voilà, le galet de ce jeu. Ils auraient quand même pu faire un petit effort. Oui, exactement, mais bon. Mais bon, on va se demander quand même. Exactement, il y a toujours des galas. Exactement, oh, mais...